Salut à tous, dans cette vidéo, on dépose Sacha à Auxerre pour sa révision et pour quelques modifications à faire chez Stilvan. Mais surtout, on vous dévoile le nouveau projet. Donc, ceux qui nous suivent sur Insta, vous êtes déjà au courant. Pour les autres, c'est la découverte. Allez, bonne vidéo. Départ du spot. On va aller chez Stilvan déposer Sacha pour faire les petites modifications. Et puis, faut aussi qu'il l'emmène à la révision parce qu'on devait la faire hier, mais... Ça s'est pas passé comme prévu, on va. Revoilà chez Stilvan. Eh ben, il y en a le duan, hein. Il y a beaucoup de trafic. Ouais, beaucoup de Renault, ouais. Beaucoup de trafic. Bon, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va laisser Sacha et on va partir direction Bordeaux. Et voilà, donc on a vidé tout le van. Et voilà. On a ça à amener, deux sacs cabas, le sac à, deux sacs à dos. Ça, ça va être arrangé. Et deux valises. Ça va être tendu. Hein, ça va être tendu. Plutôt, ouais. Ouais. On va être bien chargé là. Bon, voilà. On a vidé Sacha partout. Il est vide dans les placards. Il est vide à l'intérieur, le frigo est tout vide. Les placards sont vides. Et il va avoir quelques petites transformations. Et voilà. Donc là, on va le laisser pendant un bon 15 jours, je pense. Le temps de revenir. Et là, Stilvan nous amène à la gare. Et on est chargé comme des mulets. Mais bon, ça devrait le faire. Voilà, on a deux sacs cabas et deux valises. Ça va être chaud. Direction la gare et direction Bordeaux. Non mais regardez-le, il voulait nous emmener à la gare sans plaque. Manque pas un truc là. Bon allez, tu dis au revoir à Sacha. Ouais. Ciao. Au revoir mon bébé. Bon, je le colle pas parce qu'il est dégueulasse. Allez, on est parti. Dans ce magnifique Peugeot Expert, version sport. C'est beau, hein. Ça va derrière? Ouais, c'est juste là-haut. Hein. Ah, mais c'est parce qu'il y a le lit. Ouais. Ah, en hauteur? Ouais. Là, faut pas être. Ouais, parce mais non, que, pour des grands. C'est vrai que nous, on n'a pas le lit, donc ça change tout. Hein. C'est clair, ouais. Voilà comment t'es chargé, fais voir. Une valise, un sac, à dos. C'est pas mal. C'est pas mal. Toi, t'en as un petit peu moins. Hein. Allez, c'est parti. On est à la gare d'Auxerre. Je sais même pas où on va. Oh, on va pas être en retard. Hein. Nous vous invitons à ne pas laisser vos bagages sans surveillance et à signaler tout colis ou objet abandonné. Merci de votre vigilance. Il est susceptible de repartir d'un moment à l'autre. Pour votre sécurité, nous vous invitons à rester à bord, à ne pas ouvrir les portes et à ne pas descendre sur la voie. Merci de votre compréhension.
Non, t'es sérieux? Et c'est pas mal quand on a sa maison avec soi. Hein. Allez, ouais. Encore une grosse demi-heure avant de partir. Bon, même trois quarts d'heure, non? Bon, bah, on poursuit notre périple. Et c'est parti, Paris Bercy, direction Bordeaux. Voilà. Je sens qu'on va piquer une sieste là. Ou bosser. T'as l'air motivé. Bordeaux, direction Libourne. Qu'est-ce qu'on va faire à Libourne? Surprise. Tu veux pas nous dire? Hey, hey. Let's go on an adventure in the Toyota Land Cruiser.
Tu vois, c'est un véhicule, il a peur de rien. Après, on va pas aller le salir. Quand tu veux chercher un bivouac, tu vois, t'hésites pas, tu vois. C'est aussi un vrai 4x4, hein. Tu peux lui demander. Ouais, c'est fait pour faire ça, quoi. C'est fait pour faire du tout terrain, c'est fait pour rouler sur la piste, c'est pas fait pour rouler sur l'autoroute. Ça tombe bien, on n'en prend jamais. Et là, tu vois, si tu veux, tu vas voir. Là. Oula. On se met en 4 roues. Là. Ça... Voilà. Voilà. Ah là là. Ça m'a l'air bien. T'es contente? Ouais. Ça fait un petit moment que j'avais pas conduit une boîte manuelle. Enfin, que j'avais pas conduit tout court. Mon gros cratère. C'est parti l'aventure! On aura passé une super nuit au calme. C'est dommage, on n'a pas vu de bête. Tropi, il est là. Lydie, elle est en train de faire sa petite toilette. On est pas mal quand même. On est tout proche de l'embarcadère là. On va reprendre le ferry direction Royan. Et après, on rentre à la maison pour aller chercher les affaires au box. Et c'est parti pour le premier ferry de Tropi. Voilà, la bête est chargée. Allez, on monte.
Mais ouais, t'es filmé. Tu peux pas t'empêcher de commencer à démonter. Ouais, non, c'est plus fort que moi. Ça fait que 4 jours. Oui, tu vas falloir patienter. On n'est pas rentré encore, que j'ai déjà envie de tout refaire là-dedans. Voilà. Voilà. C'est quoi le but là, en le fait but, c'est que moi, j'ai pas de poignée là. Toi, t'en as une. Alors bon, chacun sa poignée. Puis à l'arrière, elle sert à rien. Donc autant la voir devant. Qui est presque. Ouais. Et voilà. Chacun sa poignée. Hein. Voilà. Petite finition. Impeccable. Chacun sa poignée. C'est ça. Ça va jamais tenir tout ça. Hein. Non. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup. Ouais. Bon, bah allez, hein. On va faire du tri encore. Est-ce que tu es confiant? Pas du tout. En gros, on se pose la question là, comment on fait pour dormir dans le 4x4 avec tout ce bazar jusqu'à Annecy? Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Même si on fait du tri, la configuration de l'aménagement là... Là, c'est plus du tri qu'il faut faire. Là. Bon, bah, il en reste encore un petit peu à l'intérieur, à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on en a mis dans Sacha? C'est un truc incroyable. Incroyable. Les valises. Ça va être compliqué pour le retour. Allez.